Bienvenue sur la map du Déco Défi. Donc voilà, on avait été nominé par Zanzag il y a quasiment 2 mois maintenant. Et moi j'ai eu le Dark Oak, le calcite et la concrete bleue. En sachant qu'on peut faire des vitres en rapport avec la couleur du concrete et on peut aussi prendre de la laine, il me semble, de la même couleur que le concrete imposé. Donc voilà, je me suis mis quelques blocs ici et j'ai commencé par faire une piscine. Parce que je voulais faire du moderne. On est obligé de mettre que du dark. Donc là déjà je mettrais bien 3 de plancher pour qu'il y ait 4 de plancher. 5 de plancher. 5 de plancher. Allez, on est des fous. La maison sera un peu enfouite dans le bâtiment derrière. Là on a 6. Non, on va mettre 5 du coup, comme prévu. Alors déjà, on essaye de trouver le centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7. Donc le centre est en 2. Le centre est pair déjà. Bien joué ça. Pas ouf de ma part. Baie vitrée. Baie vitrée à toute berzingue. Baie vitrée. Ok, je commence à... Hein ? On commence à avoir une petite idée. Non ? Commence. Donc là c'est juste un... L'entrée serait ici, en vrai. L'entrée serait ici. En vrai ici, on n'est pas obligé de fermer. Ici je mettrais bien genre une table à manger, tu sais. Du coup, je suis obligé de faire une table à manger en dark, c'est un peu con. Je devrais mettre le sol en calcite, du coup. Partout, là. On va mettre le sol en calcite. Partout, on voudra mettre une table. Ok, jusque-là, moi, ça me plaît, ce que je vois, ce que je... Ici, il serait bien qu'on ferme à moitié, donc genre comme ça. Un, deux, trois, quatre. Là, c'est pareil, on va mettre des vitres bleues. Voilà. Oh, on commence à avoir une petite idée, là. Dis donc, dis donc. Quand ça me plaire. Et si on peut garder une petite ambiance bleue proche de la piscine, moi ça me plaît. Et pour délimiter un petit peu. Non, faut qu'on garde la planche. Ah, je sais pas, on va faire un seul bleu ici, on va tester. On est fou, on est fou, on est fou. Et on est fou, on est pas fou. Hein. Moi je suis fou. Ouais, c'est bien là le sol bleu. En vrai, mettre une ou deux chaises longues là. Posément, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et je pense que je vais simplement continuer le chemin comme ça. Et de façon très très structurée. Ici, il faudra monter. Ici, en vrai, on va se faire un escalier digne, je pense. Ici, on va faire genre une transition avec le bois. Et un escalier digne de ce nom, quoi. Commence à monter ici. Allez, un escalier de 3. On part là-dessus.
Ok. Voilà, un petit escalier, mignon tout plein, n'est-il pas? N'est-ce pas? Ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, je mettrais bien. Alors attendez, hein, ne soyez pas choqués de ce que je vais dire. Mais ici, je mettrais bien des vignes au plafond. Si je faisais genre un plafond de ça, il me semble que j'avais déjà fait un truc similaire. Avec des leaves au-dessus. Ça ferait un peu ambiance vigne, non? J'aurais bien aimé mettre les dernières leaves là, des derniers bois, mais bon. Choqué. Vous êtes choqué? Bah c'est pas grave, hein. Écoutez, avec, hein. Voilà, ça ce sera la petite terrasse axée vers la piscine, axée vers l'extérieur et tout. On va avoir une petite porte là. Hop. Ok. Là, théoriquement, on a notre intérieur, hein, en fait. Je pense qu'on va simplement ici se faire des murs plutôt pas mal. Du coup, c'est pas si grand que ça, c'est assez large quand même, on va pas se mentir. On peut faire des séparations de pièces, après là, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Le sol, on le fait en quoi? Est-ce qu'on le fait en bleu vraiment? Je serais chaud de le faire en bleu, hein. Ou en calcite? Bleu ou calcite? Votez! Votez chez vous. Il ne faut pas donner une seule voix au concrete bleu. Il ne faut pas donner une seule voix au concrete bleu. C'est parti, on ne revient plus en arrière. Comme on est parti sur les fenêtres à l'étage, on en a fait quelques-unes, mais des pas trop grosses. Donc là, je pense qu'on va en faire une petite centrale de 4, ça ira bien. Et pas forcément jusqu'en haut. Je la ferai bien jusque-là. Genre avec escalier ici, du coup. Voilà. Ici, on bouche. Parce qu'en plus, il y a les trucs sur les côtés qui nous gênent. Et ici, vitrace. Bim. Ok. Et donc là, bah, ça va être tout simple, je pense. On va pas s'embêter non plus 10 ans. Hop. On va essayer de suivre un minimum les piliers qu'on a fait en face. C'est bon là? On est en face? Ouais, ça a l'air. Et on monte. Je pense pas qu'on va faire trop de baies vitrées là parce que. Bon, on a vu sur pas grand chose là. On pourrait se faire une baie vitrée ici. On débloque, c'est mieux. Assez large. Allez, on se fait plaisir. On va faire full large ici. Tac. Avec vitre bleue. Hop. Et ici, des toutes petites.
Ben voilà. Maintenant, il va falloir l'escalier quand même. On peut designer l'escalier ensemble. Globalement, ici, hein, je pense. Je pense qu'on fait l'escalier là. Et qu'on monte par là. Qu'on monte comme ça, genre. On peut coller ici, c'est pas très important. Ici, on se fait l'escalier. Allez, ça part. Escalier de 2. Et on arrive là, genre. C'est pas mal, ça. Ok, on a l'accès. On a l'accès au balcon, qui est très cool. Du balcon, on voit la piscine. On pourrait faire des soirées là-dedans. Hein ? Vous imaginez pas, vous, là, des soirées étudiants de ouf ? Comme on peut voir dans les séries américaines, avec la piscine et tout. Je ferais bien la séparation quand même. Pour la piscine. Vous voyez ce que je veux dire? Séparation bois. Ok. Eh, franchement, là. Moi, je trouve que ça a sa petite ambiance, quoi. Il y a bien sûr un peu de déco à rajouter, des bambous ici et là. Bien décorer l'intérieur du bâtiment, bien entendu. Mais sinon, niveau extérieur, ça me plaît, moi. Petite maison moderne, quoi. On n'a vraiment pas l'habitude de construire du moderne. On est sorti de la zone de confort et là, moi, je suis kinky de ce qu'on a fait là en 2 heures. Alors, ça pète, non? Je trouve que ça pète. Je suis désolé pour le bruit d'ordinateur, il s'énerve un peu en ce moment, faudrait que je lui passe un coup de pchip-pchit pour enlever les poussières. Nous voilà de retour sur cette magnifique carte avec les shaders bien sûr. Pour vous montrer un petit peu la maison finie, voilà, on a fait du moderne, on s'est essayé à faire du moderne. Je suis pas trop mécontent vu les blocs qu'on avait. Calcite, c'est assez cool en vrai, c'est un beau bloc, le souci c'est qu'il n'y a pas de dérivé. Le Dark Oak, bon, c'est un bois hein, comme les autres, qui se marie plutôt bien avec le calcite vu que ça fait vraiment sombre et clair. Et la concrete bleue du coup qui était le dernier bloc imposé, donc je pouvais mettre de la laine bleue aussi, je pouvais mettre un peu tout ce que je voulais pour le build. Je me suis permis quelques libertés sur la déco intérieure, vous me direz ce que vous en pensez. Bah, d'ailleurs vous la voyez déjà un petit peu d'ici vu qu'il y a la baie vitrée. Du coup voilà, je me suis permis quelques libertés, j'avoue, sur la déco, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous voulez demander l'avare, ou que ce soit viré de la déco, je le retirerai, il n'y a pas de souci. Du coup voilà, on rentre dans un petit salon, donc on n'y utilisait que du bleu pour le sol. On avait le droit d'utiliser toutes les variantes de bleu, donc le blue glaze terracotta ça marche aussi, la laine, la concrete. On s'est fait un petit canapé devant la Sama TV bien sûr, avec une petite armoire là, un petit dressing ici. Vous en pensez de ce dressing avec les shaders en plus qui reflètent bien les lumières. Voilà, petite table à manger, cuisine, enfin vous connaissez un peu la déco qu'on propose en général. Donc voilà, quand je parle des libertés, voilà, je me suis permis des petites dalles en quartz ici par exemple, juste pour faire la hotte parce qu'on peut pas le faire en bois si on veut une belle cuisine. Ça c'est la liberté. Pareil, la diorite, je me suis dit c'est vite fait une dérivée de la calcite vu que tu vois ce que je veux dire. Enfin bon, c'est dommage mais... Voilà, ça si ça gêne, je pourrais le virer éventuellement. Mais sinon, mis à part ça, je crois que tout le reste est respecté à 100%. La petite guitare ici, hein, avec les matériaux imposés, le blue concrete. Et à l'étage, c'est un peu moins folichon, mais c'est rigolo, c'est mignon. En fait, là, tous les murs sont à 1 d'écart. Du coup, là, ça fait assez bizarre, j'ai dû recouvrir... pour pas que ça fasse trop bizarre justement. Petite bibliothèque, petite table à manger, petit salon. Alors, vu qu'on a droit qu'à un seul bois, c'est assez terne, mais c'est pas si grave que ça. Et le petit lit bien sûr, voilà, qui donne accès directement au balcon, hein, là où on a une belle vue sur la piscine, ainsi que les constructions des autres joueurs. C'était bien sympa, je suis désolé pour le temps que ça a pris, je m'excuse auprès de Zanzag et de Dave aussi, ils m'ont absolument rien reproché, hein, c'est pas le souci, c'est je m'excuse auprès d'eux parce que c'est pas cool de ma part d'avoir mis autant de temps à sortir cette vidéo vu le temps
Enfin, ça fait un bail maintenant que Zanzag m'a nominé, ça doit faire plus d'un mois, voire beaucoup plus, je saurais même pas dire. Donc désolé pour le temps. Le temps que ça a mis, j'ai pris vraiment mon temps, j'ai presque zappé dans un moment, il y a eu tellement d'infos qui sont arrivées en même temps de mon côté, voilà, je me justifie. Mais je suis désolé auprès de ces personnes-là pour le temps que ça a pris. Il est temps pour moi de nominer quelqu'un de bien plus sérieux en matière de build, qui va savoir faire quelque chose sûrement plus vite que moi, après je fous pas la pression. Quelqu'un qui a bien prouvé qu'il savait build, en tout cas on l'a bien vu. Et quelqu'un avec qui on a joué récemment en live. Il s'agit de... roulement de tambour. Didi nous a mis un roulement de tambour là. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, c'est énorme. 3-4. Boîte à meux. Boîte à meux. Le coéquipier... je peux pas mettre comme ça sa tête, je vais la mettre comme ça. Le coéquipier du Killzoli Cubien, pour ceux qui ont suivi ça en live, va y avoir aussi un best-of de Killzoli Cubien qui sortira. Et voilà Boîte à Meux qui va s'amuser du coup à faire ce défi que je nomine. J'en ai déjà parlé, il est plutôt chaud pour le faire, donc c'est parti, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Je lui propose en bloc défi le Warped Planks, enfin les Warped bleus de bois. Écoute, à toutes ses dérivées avec. La laine blanche. Et toutes les dérivées de blanc du coup, donc il peut utiliser de... Je sais pas s'il peut utiliser le quartz tout ça, mais après c'est un peu entre nous. On peut s'arranger, une laine couleur, voilà c'est ça. Et donc le ou les blocs dérivés du bois choisi, n'importe quel bloc de la couleur de la laine choisie, ou le terracotta, concret, vitre, lit, décoration, bougie, bannière, voilà. Bah tout est là en fait, hein. N'importe quel bloc de la couleur de la laine choisie. Donc il a accès... Il a accès au quartz, et moi je n'ai pas accès théoriquement quoi. Après c'est pour la déco, c'est pas pour le build, donc voilà, on en rediscutera. Manifestez-vous en commentaire si vous trouvez ça abusé, je l'enlèverai, c'est pas grave. Je ferai en bois, ce sera un peu moins cohérent, mais c'est pas grave. Et en dernier, le cuivre, je pense que j'ai été cool sur les blocs choisis. Le bloc de copper, parce que il a des dérivés en escalier, ça lui permettra de faire un build avec un peu plus de choix en matière de déco, etc. Et de relief, il peut avoir les escaliers et les dalles en cuivre et en bois. Là où moi j'avais que le bois du coup en dérivé. Donc du coup j'espère que vous avez bien apprécié voir cette déco et ce build qu'on a fait ensemble sur ce déco défi. Merci à Zanzac de m'avoir nominé, encore désolé à lui et à Dave pour le temps que ça a pris. Bonne chance à Boîte à Meux qui reprend le flambeau, qui va être... voilà, je pense qu'il peut nous impressionner le Boîte à Meux sur un déco défi comme ça. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Quand on voit ce qu'il fait en survie, j'imagine même pas ce qu'il est capable de faire en créa. Donc n'hésitez pas à suivre les aventures de son côté, vous aurez bien sûr le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, et n'hésitez pas aussi à vous manifester dans les commentaires. Je vous fais à tous de très gros bisous, passez une bonne et agréable journée, soirée, et à la prochaine. Tchou tchou tout le monde.